Merci, merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue, bienvenue. Voilà, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. On attend la quinzaine. Bah oui, la quinzaine, elle est là. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Pareux, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve dans l'épisode 2 avec... Oh, j'ai pas vu d'ailleurs. Bientôt, le boss est décédé. Mais bonjour, comment est-ce que vous allez? Coucou Miyuli, bonjour, bonjour, heureux, c'est moi la cassette, la fille, elle est trop en mode bonjour, bonjour, coucou. Le lien pour être sponsor, je vais essayer de te le donner. Voilà, normalement, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est le lien, hop, du sponsor. Est-ce que je spamme bien? Ah, je crois que j'ai fait une erreur. Oh, j'ai fait une erreur dans le spamming. Ok. Bon bah écoutez, c'est parti. Et merci pour les abonnements. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en compagnie de Ariana. Alors, la dernière fois, je rappelle rapidement pour l'épisode 1 qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nous avons commencé l'aventure avec Ariana qui commence, entre guillemets, voilà, à essayer d'être célèbre. Et en fait, et merci les cousines, bienvenue. Et en fait, elle a réussi sa première audition. Elle a réussi pas sa première audition. Hein. Sa première audition, elle l'a foirée. Hein. Mais au bout de la troisième, je crois, c'était la troisième, je crois seulement qu'elle a réussi. On a réussi à faire la troisième audition. Elle a fait sa petite pub lessive pour le chat. Non, je déconne. Placement de produits gratuits, bonjour. Et elle peut chanter. Non, pour l'instant, elle fait de l'acting. Comme elle avait commencé dans Disney avec, en étant actrice. Par contre, elle est triste. Pourquoi elle est triste? Jour férié. Ah oui, c'est vrai, le jour est férié épouvantable. Et merci Angèle, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Elle peut avoir un animal. Franchement, c'est une star. Elle n'a pas le time de s'occuper d'un animal. Coucou Marine. Mais peut-être plus tard, une fois qu'on sera un peu plus aisé, parce que là, si en plus on a un animal, alors qu'on galère déjà niveau argent. Parce qu'elle a foutu le feu! Elle a foutu le feu, regardez, au premier épisode. Elle a foutu le feu à la gazinière et au frigo. Et on s'est retrouvé dans la hesse totale. C'était triste. Au niveau du boulot, on commence. Audition publicité mousse salée commence à 9h et il faut qu'on soit deux en compétences charisme qu'on a déjà normalement, mais ce serait bien d'augmenter un petit peu. On sait jamais. On va la suivre. Augmenter un petit peu. Ça marche, cerise. Prends-lui un animal et laisse-le mourir, MDR. Mais ce serait tellement dramatique. T'imagines dans sa biographie après, quand elle était pas encore célèbre, elle tua son chat. Elle oublia de lui acheter ses croquettes. Parce qu'à la place, elle préférait acheter un Big Mac. Et merci, chouette, ta lunette. Bienvenue à toi. Mais tous les stars ont un chien. Oui, bah, ils ont un chien quand leur carrière est déjà, tu vois. Elle a pas encore de carrière, tu vois. Sa carrière, elle est là. Non, elle est là. Vous la voyez même pas tellement en dessous de la caméra. Limonade. Ah, mais normalement, il est là, Limonade. Ah, mince. Et maintenant, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Oui, c'est bon, il est là, Limonade. Coucou, Mylène. Je pensais que je l'avais déjà activé, mais non. Avec des animaux tués, bah oui, mais t'imagines. Elle a un cochon, bah oui. Bah c'est... Ouais, vous me l'aviez dit. Et j'avais dit que j'allais peut-être essayer de faire un... On va regarder un film humoristique, peut-être. Enfin, la chaîne... Humour. Qu'on allait peut-être essayer de lui créer un chien ou un chat qui ressemble à un cochon. Je pense que c'est possible avec des CC. Tu connais combien de groupes de K-pop? Plusieurs. Merci Bambi Gacha, bienvenue à toi. Je connais BTS, EXO, Blackpink, Big Bang. Ouais, Big Bang. Big Bang qui est passé mon troisième groupe préféré. À la base, c'était mon premier. Après, il y a Blackpink qui est sorti, c'est devenu mon premier. Et Big Bang est passé en deuxième. Et après, j'ai connu les BTS qui sont partis en deuxième position. Après les Blackpink quand même. EXO, bah, c'est principalement ceux-là que je connais le plus. Après, il y a... Ouais, il y a... Il y a le groupe, là, Momoland, aussi. Et deux, trois autres que je me rappelle plus trop trop. Ah, bah, GG, Miss LOL. Enfin, du coup, sur l'autre chaîne, je suppose. Coucou, Lovala, comment ça va? Donc, elle a besoin de discuter. De discutailler. Est-ce qu'on invite quelqu'un? On va peut-être lui demander d'aller prendre une douche, histoire qu'elle puisse quand même inviter quelqu'un et être un peu préhabillée. Au niveau de ses amis, qu'est-ce qu'elle a?
On va peut-être inviter Vanessa. Hein. Inviter à venir sur le terrain actuel hein, pour parler un petit peu avec elle. Se faire des amis. T'as vu, je suis de plus en plus là. Oui, mademoiselle, j'ai vu bah, de, quasiment tout le temps. Ah oui, Red Velvet aussi, ouais. Twice, exactement. Yuna aussi, je connais. Enfin, c'est pas forcément un groupe parce qu'elle est toute seule actuellement. Il y a le groupe d'ailleurs du copain à Yuna. Je sais plus comment il s'appelle le groupe. Et merci Célia, bienvenue à toi, merci beaucoup. Enfin non, elle a reformé un groupe justement Yuna avec son copain et un autre garçon. Donner les clés de la résidence, mais t'as craqué. Tu vas pas donner les clés de chez toi à une inconnue. Enfin, c'est pas une inconnue parce que tu commences à faire connaissance, mais c'est même pas une vraie amie encore. Drôle. Faire des yeux ronds. Bien arrivé, je commence à venir souvent sur tes lives. Ah bah merci Chibi, c'est gentil. Sunmi, ouais. Les Pentagones, ouais. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est ça, ouais. Oui, avec E-Down, exactement. C'est comme ça qu'il s'appelle. Chai dort comme un petit bébé. Comment on fait partie de la maison des abonnés? Bah, il faut gagner une enchère. Fond d'écran, c'est BTS. Moi, mon fond d'écran, c'est Arlé Lélé, là. Exprimer son admiration. Viens, viens, on va tchatcher. Hein. On va tchatcher, copine. Viens ici, assieds-toi copine, pourquoi tu veux pas t'asseoir? Respecte-moi, merde! Elle s'est barrée sur le canapé, genre en mode tu pues la gueule, je vais aller m'asseoir un petit peu plus loin. Oh là là! Oh merci Sparkle Kitty, coucou Kylian, Ressara, bonjour Lena. C'est Blackpink. Ouais, bah, Blackpink, c'est mon top 1 au niveau de la K-pop. My top 1, c'est vraiment Blackpink. Depuis qu'ils sont sortis, depuis le premier, leur première apparition, ça a été eux. Ça a été, enfin, eux, elles en particulier. Oh, GG Roman. Ah, mais non, ce que je dis sur l'autre chaîne, les citrons, c'est les mêmes choses que ce soit sur l'autre ou pas. Elle a plus de la gueule. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Elle a pas voulu s'asseoir à côté de moi. Je l'ai invitée, je me suis assise. Je sais pas, j'ai entendu un bruit de paix, mais en fait c'était à la télé. J'étais là en mode, non, t'as pas osé Ariana quand même. T'as pas osé. Alors, on va raconter des ragots, hein. Ça reste une star. Et merci Sarah, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Bah, y'a bon. Ouais, boum, bah, y'a. Y'a, y'a. Bon, je ne sais pas chanter, mais c'est pas grave. Ok, blabla, c'est bien. On va s'entraîner le charisme. Est-ce qu'elle est en couple actuellement ou pas? Vous me l'aviez dit en plus la dernière fois, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais bien et toi, Lena? 17 NCT. Ça, je connais pas par contre, pour être honnête. Elle pue. Allez, petite séance au charisme. Live toute la soirée, please. Bah après, j'irai quand même faire une pause miam. De toute façon, les lives Ariana, j'essaie de les faire durer 45 minutes environ, histoire qu'il y ait quand même des rediffs et qu'ils soient pas trop longues et ne pas faire non plus des lives trop courts. À quand un live marathon? Peut-être demain, je ne sais pas trop. Si je vais pas me coucher trop tard ce soir. Comme ça, je vais venir plus tard. Ça marche, Alex. Ce live n'est pas fini. Bah, de toute manière, j'avais prévu de faire du Pokémon ce soir après manger. Après, se mettre un titre Ariana Grande plus de la gueule. Non, si je fais ça, je vais me faire insulter par tous les Arianators. Je vais me faire insulter de tous les noms par tous les fans d'Ariana. Vraiment. Et merci, Lina. Bienvenue à toi. Merci pour ton abonnement. Merci beaucoup. T'as trop bien fait, Ariana. Bah, merci. Bah, en fait, j'ai pris une base de Sims déjà fait. J'ai juste modifié un tout petit peu, et puis c'est tout. Mais à base, c'est pas moi qui ai fait le plus gros du travail, quoi, pour être honnête. Mais de toute manière, je vous avais dit. Oh, on va lui demander d'aller aux toilettes quand même et d'aller dormir si elle a envie d'être en forme pour son audition. Mais comme je disais, je vous prévois dans la semaine de vous faire une vidéo Ariana Grande où je vous partage tous les CC et je la mettrai également dans la bibliothèque. Normalement, je crois, dans ma description, j'ai mis maintenant. Non, c'est dans les vidéos. Mais la description, elle va changer. Je vous rajouterai mon tag sur Origin pour retrouver mes créations. Et je vous la partagerai. Je ferai une vidéo dans laquelle il y aura tous les liens de téléchargement des CC d'Ariana. Pour, si vous voulez, la récupérer. Voilà, voilà. Coucou Feilet, comment vas-tu? Voilà, sur cette chaîne-là, ce qui va faire plaisir, c'est que je vais faire quand même pas mal de vidéos. Je vous partage mes CC. Par exemple, comme ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire, que je l'ai toujours pas fait.
Type, voilà, mes top 10 coupes préférées, top 10 des robes de gala préférées, ce genre de choses, où je montre tous mes plus beaux CC, en fait. Voilà. Donc mes plus belles tenues, mes plus belles coupes, et compagnie. Du coup, ah bah oui, bah oui, Qui connaît pas, franchement. Je serais une mauvaise fan des Blackpink, franchement, si je ne connaissais pas. Tu comptes faire GG tôt le pack ou l'après-midi? Plus l'après-midi, Lalo. Réveillon du jour de l'an. Oh, et merci, bienvenue à toi, Pédé, merci. Il faut qu'elle va dans un hôpital psychiatrique, là. Pourquoi? Hop, on met ça ici, divertissement, on va regarder un petit peu la télé. Ah, mais non. Mais elle devait pas partir à son audition, là? Ah, ça commence lundi, on est vendredi. Non, l'arnaque, moi je croyais que ça commençait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire pendant tout le week-end? Is not possible d'été, hein. Bon, on va peut-être augmenter la notoriété parce que voilà, pour que ce soit marrant, on va pas tout le temps faire la même chose. Là, c'est le charisme niveau 2, charisme niveau 4. Normalement, on est bon. Pour la notoriété, pour augmenter un petit peu la notoriété, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous lire un petit peu comment on peut faire. Tu l'as marathon demain, mais Istron en x3 sort que j'ai SK. Non, après, je vais pas abuser. Si je mets, c'est x2 maximum. T'as raté le Friday. Non, j'ai acheté Chicominé. Alors, sur le compte où j'avais le moins de PA, j'ai acheté des PA. Et sur le compte où j'avais le plus de PA, j'ai acheté des dollars. Des dollars. De l'argent. Je sais pas comment c'est quoi la monnaie sur dessus. Et je vais vous faire une vidéo shopping sur Amour Sucré sur le compte où j'ai beaucoup d'argent. Parce que j'ai tellement d'argent que j'en cumule même plus en fait quand je me connecte. Déjà que les PA, je les cumulais déjà plus. Mais maintenant, enfin, je cumule même plus l'argent tellement j'en ai en fait. J'ai plus de presque 4000. Et je crois que ça s'arrête à 3000. Donc, je ferai une vidéo shopping où je vais créer des tenues, etc. Sur Campus Life, sur Suite à Maurice également. Juste pour dire que Ariana. Oui, bah après, Ariana, moi, à la base, je l'ai connue, c'était quand elle était chez Disney. Même si je regardais pas, je la connaissais de vue, en fait. C'est quoi ta chanson préférée de Blackpink? Ouf, franchement, une de plus que les autres. Bon, j'avoue que la Doudou, elle est tellement bien que pour le moment, je dirais que c'est ma préférée. Même si, franchement, elles sont toutes bien. Ok, donc on va aller augmenter la notoriété. Le public ne vous connaît pas encore, mais il n'y a pas de meilleur moment pour commencer votre ascension vers le sommet. Il existe de nombreuses façons de devenir une célébrité. Et à mesure que votre cible progresse dans ses compétences et ses carrières, de plus en plus de voies s'ouvrent à lui. Vous pouvez par exemple poursuivre une carrière d'acteur ou développer la compétence production de médias, voilà la station de production vidéo, la station de production musicale. Cherchez les interactions accompagnées de la mention notoriété, elles vous permettront de devenir une superstar. Alors, normalement, je sais que déjà sur le téléphone, on peut voilà, ajouter une story à Instagram pour gagner des abonnés. Un peu de divertissement, on va regarder la télé, on va regarder un film. Oh non, tu t'es pris en photo en pyjama. Vos abonnés ont ressenti la même chose. Ariana a obtenu 12 abonnés, elle a désormais 24 abonnés. C'est vraiment, vraiment au tout début de sa carrière. Alors, 24 abonnés, c'est tout. Alors, téléphone, qu'est-ce qui se passe? Hello Ariana, notre algorithme vous suggère ces opportunités. Vous voulez voir les résultats? Oui. On peut choisir une autre audition alors qu'on en a déjà une en cours? On peut en prendre plusieurs? Ça serait cool par contre qu'on puisse avoir plusieurs opportunités. Parce que c'est vrai qu'en vrai, un acteur ou une chanteuse ou les figurants dans les films, bah, on se présente à plusieurs auditions pour avoir la chance, plus de chances d'être pris dans au moins une audition. Alors, médicaments précliniques. Compétences fitness. On n'a pas de compétences fitness. On va peut-être. Par contre, comédie, on a, même si ça me fait un petit peu peur pour vous avouer. Pour vous avouer. Alors, l'audition, il est le samedi 19. Ok, bon, on va prendre ça. Ok. Donc, au moins, c'est demain. Par contre, en comédie, on est comment? Il nous faut deux au moins et on a deux tout pile. Donc, on va regarder la chaîne Humour pour la comédie. Ce sera mieux. Tu t'es créé sur les Sims 4, j'espère. Vite fait. Vite fait. Coucou Maëlle. Coucou Alice. Comment ça va? Agrandie est pauvre. Elle veut un petit cochon, mais elle peut pas l'avoir. Avoir un chien ou chat qui ressemble. Et elle vit la pire vie du monde. Ah, tu résumes trop bien sa vie, Lovala. Regardez, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit un jour je serai riche. Elle m'a regardé en mode qu'est-ce que tu dis là, MDR? ça va et toi, Wonderful? Tu t'es spoil Campus Life? non, toujours pas. Mais j'ai avancé des épisodes. Faut que je fasse beaucoup. J'ai beaucoup de montage à faire sur Campus Life. Coucou Linaza. Pas de soucis, j'étais avec moi. Mais y a pas de soucis, Nono.
J'ai été créée sur Sims, mais vas-y. Des fois, je reçois des images de personnes qui m'ont créée sur les Sims. Et il y en a, genre, elles me réussissent trop trop bien. Alors, la comédie au niveau 3, j'aimerais bien qu'elle soit au moins niveau 4. Par contre, faut quand même faire une pause pipi, hein. Ce serait dommage qu'elle fasse pipi sur le canapé, hein. Parce que, bon, ça va me coûter cher, un remplacement de canapé si elle fait pipi dessus. Faut aussi que je la fasse un petit peu de sport pour qu'elle garde la ligne. Parce qu'elle a pas de fitness du tout, mais en vrai, vu qu'elle est très svelte, très... Merci Amel, bienvenue à toi. Vu qu'elle est super svelte et tout, ce serait quand même pas mal qu'elle... Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'elle tienne un petit peu la ligne. Je sais pas si elle fait beaucoup de sport, mais j'aimerais bien avoir le même corps qu'elle, hein, en vrai. Hein. Je t'écris vite fait sur les Sims, je cherche encore des CC. C'est quel talent préféré des Blackpink? Moi perso, c'est Jisoo. Alors moi, la base, c'était Lisa. Mais en fait, il y avait tellement de fans déjà de Lisa que je me suis rabattue sur Jennie. Ça va et toi, Alice? Père est à côté, regarde ton live en mode, c'est quoi Sims? Les vieux et la technologie. J'aime bien. Et toi, tu écris ça, les vieux, avec ton père à côté. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Flash spécial à Dingandé, quand elle crie, elle a une belle voix. Donc même si elle crie, c'est très bien. Ah oui, par contre, elle a une voix de malade. Hein. Ça, je ne contredis pas. Tu vas m'accepter sur Discord parce que tu l'as dit hier et tu l'as pas fait. Ah ouais, je t'avouerai que j'ai pas... Je sais pas, j'ai tellement de choses à faire en ce moment que j'ai complètement... Ça m'est sorti de la tête. Ouais, Lisa, j'adore. Mais à la base, c'était Lisa. Parce qu'elle faisait des couleurs... Là, elle en fait plus trop, j'ai remarqué. Mais au début, elle faisait des couleurs genre du bleu, des mèches bleues ou des mèches jaunes aussi. Et je trouvais ça super cool parce que vous me connaissez, moi, les cheveux, ma grande histoire d'amour. Et maintenant, elle le fait plus trop. Mais vu qu'elle avait déjà tellement de fans, je me suis dit, bon, allez, on va se retourner sur Jennie. Surtout que moi, j'aime beaucoup dans la K-pop, vraiment, c'est le rap. Le truc que j'écoute jamais en dehors de la K-pop, quoi. Et là-dedans, je trouve que ça rend bien. En coréen, ça rend bien. Et merci Pixel, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. Ok, on va la laisser faire son petit truc. Au niveau des aptitudes, on est comment? On est à 3. On est à 3, ce serait bien à 4. C'est Ana Grande et sa coupe, c'est la queue de cheval, c'est la seule coupe qu'il fait dans toutes ses chansons. Oui, bah là, ouais, elle a cette coupe-là. Enfin là, c'est la coupe que je lui ai mis en mode pyjama, mais sa coupe qu'elle a tout le temps, elle l'a dans sa tenue de tous les jours. Faire du rouge dans mes cheveux MDR. Bah moi, j'hésite à me faire le bout des cheveux rouges, mais j'hésite. Merci Mama, bienvenue. Je sais pas si ça va faire bien et je sais pas si ça s'enlève bien au fil du temps. On m'avait dit que le rouge s'estompait bien. Et que ça laissait rien derrière. Donc je sais pas. Dans le pire des cas, du rouge, si mes cheveux sont un petit peu bleus, ça va tourner un peu vers le violet. J'ai entendu dire qu'il y a une super fête en boîte. Ouais, non, vu comment je suis dans le bad. Ouais, quoique, non, on va y aller. Ouais, j'espère qu'elle va pas y aller en pyjama par contre. On va aller faire la fête. Ça nous permettra également de rencontrer peut-être des autres célébrités. Et je pense que plus on connaît de célébrités, plus ça nous rend célèbres aussi, finalement. Hein? Moi, je suis devenue célèbre depuis que je suis devenue amie avec Byun, hein. Je vais faire tout de suite, tiens. Ah, bah faut que tu me donnes le, faudra que tu montes le résultat, hein. Tout de suite aussi. Ok, je vais mode ralenti. Mais ça, le mode ralenti est beaucoup plus petit sur cette chaîne. Hein. Moi, je suis depuis 1 an, 3 mois, je suis aussi active. Merci Joyce et merci Mélissa. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci, merci. À propos de ta vidéo sur le contrôle parental, bah en fait j'ai changé mon QFetus sans problème et ils m'ont pas demandé mon âge. Bah en fait, Mama, le lendemain du jour où le contrôle parental est sorti, eh bien, ils ont, je crois que Movistar Planet a retiré ce truc de contrôle parental parce que ça a fait bugger beaucoup de comptes MSP. Donc ils l'ont retiré. Alors ça, j'adore beaucoup la coupe qu'elle a quand elle est habillée comme ça. Parce que j'ai mis une petite natte pour changer un petit peu. Mais j'adore. J'adore, je trouve que ça lui va trop bien avec sa tête, cette coupe-là. Arrête de bouger. Arrête avec le truc Gucci. Franchement, sa tenue là, c'est ma préférée. Elle est pas non plus ouf de ouf, peut-être pour vous, mais moi je la trouve super en fait. Ok, on va aller danser. Ariane, c'est la fête. Le dance floor. Attends, tu vas bouffer un coup. Commander à manger. Ah, ok, des frites. Bah, des frites, hein. Bah oui, on garde la ligne, on va commander des frites, hein. Des bonnes petites frites belges. Elle est trop belle, moi j'adore. Pourquoi le prochain marathon demain? C'est possible demain. Comme je disais, si je me réveille pas trop tard, j'essaierai de vous faire un marathon demain sur les deux chaînes. Hein. Bien sûr, je mixerai sur les deux chaînes une fois ci, une fois là, une fois là, une fois là, une fois là, un petit peu pour changer. Et ils l'ont remis après Quinzel. Ah, ils l'ont remis après. D'accord. Bah, je sais pas ce qu'ils foutent. Ça doit bugger pour certaines personnes.
Bah, un petit peu fatiguée, donc il va falloir vite aller faire un petit peu de danse avant d'être trop fatiguée. Par contre, elle est quoi? Elle est pro des prêtres. Ah, c'est parce que c'est un groupe. J'adore ses cheveux, donc il faut qu'on devienne amis. Présentation amusante, vu qu'elle est joueuse. Voilà, on va devenir amis avec elle, parce que j'aime bien ses cheveux. J'aime bien tes cheveux, meuf. Je vais te couper tes cheveux pendant que tu dormiras. Donne-moi tes cheveux. Et pourquoi tu te barres? Je veux juste être amie avec toi, moi. Ah non, elle est venue. J'ai eu peur, je croyais qu'elle se barrait, genre. Ah d'accord, elle est venue me dire coucou, elle se barre après. Se plaindre du vent. Merci, petite mademoiselle Alia, bienvenue à toi. Complimenter la tenue. Hey Johanna, comment ça va, Johanna? Je débarque. Coucou, Gélo. Je te jure, depuis deux jours, ils ont remis les couleurs de cheveux. Ah bah ça, bah peut-être que le mode, il va remarcher aussi. Le mode pour la maison des abonnés. J'essayerai ça après le live. Parce que ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse genre vraiment vraiment quoi. Est-ce qu'il y a une star ici? Désolée, je ne parle pas au bas peuple. Moi je suis Ariana. J'ai 3 millions d'abonnés. Bon, elle a beaucoup plus en vrai, Ariana, je dis ça, mais elle a plus d'abonnés que Squeezie, je crois. Je sais pas combien elle a d'abonnés sur Instagram, mais... au moins 100 millions, quoi. Bon. En vrai, il y a vraiment une star ou genre, il y a pas de star. Normalement, il y a une sorte de... halo autour des Sims qui ont de la popularité. Et là, je n'en vois pas. Je crois pas qu'il y en a. Allez, attendez, non, il y a marqué quoi, duel de danse? On va faire le duel de danse pour la notoriété. Allez, contre la madame aux lunettes de soleil parce qu'elle se la pète trop, voilà. Allez, là, la madame aux lunettes de soleil. Madame, je vais vous exploser au duel. Je ne sais pas, pour le mode, par contre, sorry, faudrait que je teste. C'est lequel ton nom et ta chanson préférée des BTS? Alors, le membre préféré dans BTS, c'est J-Hope. Et pour la musique, c'est Micro Drop. C'est ma préférée. Elle est trop bien. Même s'il y en a beaucoup des BTS que j'aime. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oula. Elle est où, ma petite Ariana? T'étais pas censée aller faire un duel de danse, toi? Ou tu t'es mangé un vent? Qu'est-ce qui se passe? Au pire, défie ta copine. Tiens. Candy, elle s'appelle? Oh, c'est mignon. Allez, faites vos duels, là. Moi, je vois ça. Allez, c'est parti pour le duel. En fait, Ariana, elle danse toujours la même chose. Et des fois, on a l'impression qu'elle a une très forte envie d'aller aux toilettes. Quand on voit sa tête. L'impression qu'elle pousse. Elle pousse très fort. Elle pousse très très fort. Bon bah elle, ça va être la catastrophe. Je suis sûre qu'elle danse mieux que moi, Grandi. Allez, comment dire, on doit faire une chanson sur les mots génériques avec des rythmes. En temps, pour moi, je suis la première ligne. Ah bah bon courage. Ça, c'est le genre de choses super dures en plus. Grandi, Candy Crush. En fait, c'est pour nous qui font du bruit, les gens autour. C'est quoi qui finit ce duel là? Ils sont encore en duel? On va essayer de faire un duel. Par contre, on commence à être très fatigué. On a une audition. On va rentrer, Ariana. Au revoir. Le Sim ne peut pas rentrer à la maison maintenant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la... Pourquoi il y a des gens qui se marient? Il y a un vampire qui arrive? On peut pas rentrer maintenant, je sais pas pourquoi il se passe quelque chose ici. Oh là là, catastrophe hein. Bon, je suis pour rentrer moi. Bon, si à la fin autant aller manger, on va piquer dans l'assiette des frites. Prendre une portion. Ah, parce que peut-être c'est jusqu'à la fin de la soirée dansante. Je sais pas. On peut pas rentrer, le bouton est grisé. Coucou Mei Mei. Car la fête... Ah d'accord, donc on est obligé d'attendre la fin de la fête. Bon, de toute façon, 8 minutes, hein, on va manger. On est plus à 5 minutes près, quoi. Allez, 1 minute. Ok. Vanessa vient de devenir bonne amie d'Ariana. Ah, ça fait plaisir.
Ok, l'événement est fini, on peut rentrer maintenant. Allez. Ah, il neige dehors. Il neige des petits flocons. Des petits flocons d'avoine. Elle est vraiment très fatiguée, Ariana. Mais c'est ça, de faire la fête jusqu'à je sais pas quelle heure du matin, le vendredi soir. Hein. Et ensuite, après, quand on se lève, on fait comment? Elle va venir, elle va être complètement torchée pour l'audition. Bon, tu rentres. Tu prends une douche. Et tu vas dormir. Le peu de temps qui te reste. Avant l'audition. Ça va être très cata... Elle va être super fatiguée. Bon, heureusement, on la contrôle pas pendant l'audition. C'est si l'audition réussit, c'est seulement après. Mais vu qu'elle est super fatiguée, je sais pas si elle va réussir déjà l'audition. Oula, qu'est-ce qui se passe? Réveillon du jour de l'an. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant le réveillon? Décorer. Le choix parfait de couleurs et de décorations peut vraiment planter le décor de n'importe quel jour férié. Pour participer, placez des décorations de jour férié à partir du mode construction. Décorez l'extérieur de la maison en plaçant et en utilisant la boîte de décoration rangée dans le grenier. Il y a aussi état d'esprit fêtard, buvez, danser, jouer de la musique. Ok. Et ensuite, prendre des résolutions. Ariana adore cette tradition. J'aime bien comment il en gras et puis le adore en rose. Et vous nous remettez... Pour participer, cliquez sur votre team, c'est sélectionner, prendre une résolution. Ça, par contre, on va faire. Ça, on va le faire. Et ici, décompte jusqu'à minuit. Couchez-vous tard et criez devant la télé pour fêter cet événement. Pour participer, regardez la décompte jusqu'à minuit à la télévision. Le décompte sera disponible sur toutes les télévisions après 23h. Ça, c'est cool. On va le faire. Et merci, Glizu. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Eh bien, c'est quand son audition? Ah, c'est lundi. Mais je comprends plus rien, moi. On avait choisi une autre audition qu'elle était censée faire ce matin. Je comprends plus rien. Bah, prout alors, hein. Voilà, prout. C'est pas grave, on va pouvoir s'amuser pour le réveillon du jour de l'an avec le peu de budget qu'on a. On va quand même essayer de faire quelque chose. Sinon, bah, c'est pas cool pour elle, quoi. Sinon, c'est pas cool pour elle. Oui, je sais, t'as envie de faire pipi. Et merci Antoinette, bienvenue à toi, merci pour ton abonnement. Parlant de bouffe, vous avez commencé à me donner la dalle. Ah, même Ariana, elle a la dalle aussi. Mais prends des restes, voyons. Avec tous les restes qu'on a piqués à la dernière audition, on est tranquille, hein, jusqu'à la prochaine. Ouais, mais on fait comme on peut, les gars. Ah, bah elle va nettoyer son assiette, c'est bien. Alors, on va prendre des nouvelles résolutions. Ah, s'entraîner à chanter. Tiens, on va faire ça. Prendre une résolution, nouvelle résolution. Ok, donc c'est des résolutions. Alors, franchir une étape d'aspiration. Trouver sa moitié. Donc, c'est trouver une petite copine ou un petit copain. Obtenir plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ah, mais ça, on peut pas. Votre Sims ne mène pas la carrière média. Ok, on peut pas. Obtenir une promotion. Améliorer une compétence. Écrire un livre. Bah, c'est pas une écrivaine, donc je vois pas l'intérêt. Retrouver la forme. Elle est déjà en forme. Ouais, elle peut pas perdre plus de poids parce qu'elle est déjà très mince. Donc, on va juste prendre améliorer une compétence. On est sûr, au moins, que celle-ci, on le fera. Ça, c'est bon. Ils sont vachement en avance pour Nouvel An. Où est Noël? Bah, Noël, il est déjà passé. Mais on n'avait pas d'argent pour acheter la déco de Noël. La prout alors. Mais où est l'hygiène? Bah oui, hein. Overload, overload, overload. Non. Non. Je regarde dans ta prochaine vidéo. Bah en fait, ce soir, on refait un live Pokémon sur cette chaîne. Ça marche, Miyuli. Bonne soirée à toi. J'espère que ça marchera. Bah moi aussi, j'espère que ça marchera pour la maison des abonnés. Oh mon dieu, non. Bah ça va encore. Flar so billy finta blarf flinta blarf flinta blarf quip nolfi con. Ariana, t'es sûre que t'es chanteuse plus tard dans ta vie? Elle est vraiment en train de chanter là? Mais encore tout à l'heure c'était pire. Do re mi fa so la.
elle a dit le do ré mi fa sol la si là. Vous savez pas qu'Ariana Grande chantait comme ça. Bon, elle est au début de sa carrière. On va lui laisser un petit peu le temps quand même hein, de se développer au niveau du vocal, des vocalises, etc. etc. Laissez-lui un petit peu de temps, s'il vous plaît. On va essayer d'améliorer ça. Ok, elle a pris une nouvelle résolution pour la compétence. Ça, c'est super. Le décompte, il a 23 h. Il y a quoi encore? Et ça serait bien d'acheter une petite déco. C'est quoi ranger dans le grenier une boîte de décoration? On va essayer d'acheter un petit truc, juste histoire de valider l'événement. Et ce sera cool. Ah, tiens, objet de jour férié, c'est cool. Objet de jour férié. Décoration de jour férié. Boîte de décoration rangée dans le grenier. Je pense qu'on va les prendre en couleur comme ça, parce que ça fait aussi période de Noël. Bon, sans simflouze. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Décoration de jour férié. Chanter ensemble, accrocher des décorations. Oh, c'est quoi ça? Oh, regardez ma maison! Regardez ma maison! C'est la fille, elle découvre des trucs. Regardez, on a décoré. Bon, c'est pas ouf, hein. Mais voilà! Je suis choquée. Et on peut, est-ce qu'on peut faire autre chose? Sélectionner, ouais voilà, décorer les tympans. Alors, de quoi? Les oreilles? On va... Non, c'est, je sais pas ce que c'est les tympans, mais je pense pas qu'il parle des tympans de l'oreille. Hein. Décorer la fondation pour le jour férié. Décorer les clôtures. On n'a pas de clôture. Décorer les corniches. On n'a pas de corniches. Frise. Ouais, on va peut-être plutôt mettre un truc dans ce style-là, parce que là, nous, on a ça, je crois, ou un truc dans ce genre-là. Non, on a ça, nous. Et on peut faire quelque chose de mieux. Éventail stalactite. Moi, je préfère, c'est les guirlandes. Après, vu que c'est vrai que Noël, Nouvel An, c'est à peu près dans la même période. Donc, pourquoi pas partir sur un truc plus Noël. Comme celui-ci. Ça n'a rien, ça les a pas changés, pourquoi? Bah pourquoi? Attends, si j'enlève et que je remets. Mais pourquoi ça me remet celle-là? Je veux pas cela. Bon, tant pis. D'accord. C'est Ariana qui veut pas les changer, avoue. J'insiste, hein. J'insiste vraiment, hein. Bon, je réessaye, on sait jamais. Yes! C'est beaucoup mieux quand même, comme ça. Parce que c'est vrai que le truc est un petit peu dégueu, hein. Voilà. Là, c'est perfect. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 23 heures pour faire le décompte. Voilà. Et Ariana, j'ai envie d'un thé, ça courait si on allait en prendre un ensemble au festival de l'amour. Mais on a le temps d'aller au festival? Oui, on a le temps. On va aller au festival. Ça a mis cela. Mais pourquoi ça m'a mis cela? Je veux pas cela. Bon, tant pis. Bon, j'insiste. Sa fille, elle est trop indécise en vrai. Pas que ça remarchera pour la maison. Bah, moi aussi, j'espère. J'espère vraiment. Pourquoi t'as pas mis qu'on peut retourner en arrière sur le live? Ah, je sais pas. J'ai pas vraiment regardé ça, on va dire. Rip ma connexion, rip. Bah, faudrait que je regarde. Faudrait que je vérifie. Planète Pop Miel. Miel Pops. Miam miam miam. Trop bon. Crunch crunch crunch. On a une madame célèbre là. Et madame, tu veux pas me dire à tes abonnés de s'abonner à ma chaîne, s'il te plaît? Madame! Arrête de courir, madame. Alors, c'est une superstar mondiale. Oh my god. Oh my goodness. Est-ce qu'on peut lui demander de nous follower? Non? Bon, ça sert à rien de tenter de se présenter. On n'est pas du tout une star. Nous, on n'a même pas un début de star. Regardez. On n'est même pas un début de star. Même pas le début du début du début de la star, quoi. Ok, nous allons faire des choses. Boire du thé. Verser du... C'est quoi? C'est le même thé, de toute manière. Bah tiens, on va faire verser du thé, ça courant ensemble.
Ok, viens madame, on va verser du thé. Viens madame. L'hôtel vient, elle est dépitée. Oh merde, je suis avec elle, je suis avec Ariana. Oh là là, j'ai pas le choix, bon je me casse. Elle est tellement déprimée d'être avec moi, c'est pas cool. Il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour Miel Pops. Pour Miel Pops. Après, il y a le truc d'Irimix derrière. Hey Perrine, ce que t'as dit, bah je sais plus ce que j'utilisais. J'ai des robes pulls que j'ai téléchargées, c'est pas mal pour Ariana. Ah, bien. Faudrait que je regarde, moi, les derniers téléchargements sur The Sims Ressources, s'il y a des choses sympathiques et nouveaux, quoi. Sûrement, parce que tous les jours, il y a des trucs nouveaux. Alors, c'est quoi le but du truc? C'est Fontaine Sakura. Ah, d'accord. Le but de l'événement, c'est juste verser du thé Sakura, et puis on a fini. Et là, c'est quoi? Ah, quoi? L'audition d'Ariana commence dans une heure? What? Rentre à la maison. Fini l'événement. What? Ouh, je comprends plus rien à ma vie, les gars. Rentre à la maison tout de suite. J'ai pas compris là ce qui se passe. Coucou Worms. Elle veut te pécho ta friend là. Enfin, elle a pas l'air de vouloir me pécho là. Elle a juste envie de m'éviter, je crois. On est rentré parce que j'ai pas compris pourquoi l'audition. Un jour c'est lundi, un jour c'est samedi. Bah là, il y a celle de lundi qui s'affiche. Parce que peut-être que j'ai deux auditions, mais ça n'ont pas les deux. Mais techniquement, ça devrait me montrer l'audition qui est la plus rapprochée. Et pas la plus loin en fait. Comment on peut pas voir toutes les. Ouais, parce que même en agrandissant, je vois que un truc. Bon bah, je comprends pas. Prout, c'est pas grave, on sait qu'à 19h on part. Un petit peu fatigué, j'ai pas de machine à café, tant pis. Ça sert à rien d'aller se coucher, on va attendre les 20 minutes, on va la laisser partir à l'audition. Elle est quand même enjôleuse, elle a bu un petit thé. Elle est partie. Ok, on espère qu'elle réussit son audition. Tu veux dire des robes pulls, dis-moi. Bah, écoute, ouais, pourquoi pas. Audition réussie! Nice, c'est bien ça! Ah, c'est le début de la popularité, ça, les gars. Tu peux pas tester. Alors, l'heure du tournage a été planifiée. Alors, du coup, c'est lundi à 9h. Explorer l'émotion joueuse et développer la compétence comédie. Alors, pour joueuse, bah tiens, on va parler à la madame là. À la madame Scout là. Ah, c'est une ado en plus! Bon, c'est pas grave, je ressemble à une ado aussi. Je peux faire genre encore que je suis dans le même lycée qu'elle et tout. Donc c'est pas vrai. Les trucs joueuses. On va mettre des trucs drôles. Et merci Lulu, bienvenue à toi. On va mettre que des trucs drôles. Ah, elle est super fatiguée. Elle est super. Pourquoi tu lui offres un truc qui explose, meuf? Je croyais que ça allait faire les serpentins, moi. Et tu sais, je vais au parc pour me détendre, cela vous tente? Non, non, on s'est trop vu, Vanessa, ces derniers temps. Ok. Je pense qu'on va laisser aller dormir, sinon elle n'arrivera pas à être joueuse. Donc, allez, go dodo. Oh my god, il y en a pédophile. Lélina envahit la terre. Hey Nicolas, comment vas-tu? Moi ça va, merci. Tu veux le lien TSR ou Pinterest? Par contre, j'ai pas Discord. Bah, The Sims Ressources, c'est plus simple, c'est plus rapide. Bah, au pire, tu peux me l'envoyer sur mon email. C'est un email et que tu peux me l'envoyer sur l'email. My god, mais non. C'est juste qu'elle paraît très jeune aussi, Ariana. Et elle est très jeune quand même. Elle a quel âge? Elle est plus jeune que moi, je crois en plus. Je pense qu'elle est plus jeune que moi, Ariana. Regardez la chaîne Humour pour le taf. Pour la compétence comédie. Elle est en couple. Ouais, je sais pas, parce qu'à un moment on me dit qu'elle est en couple, on me dit qu'elle est plus en couple. Ah, on est passé au printemps, c'est fini l'hiver. Oh, madame connue qui est la superstar mondiale, qui est en train de marcher sur le trottoir. Je rigole, mais en fait, elle est passée devant ma maison, elle a changé de trottoir du genre. Non, je vais pas passer à côté de la maison d'Ariana quand même. C'est une pédo, Ariana. Oh! Je m'appelle Diane, bonjour l'originalité. Bonsoir l'originalité, bah ouais c'est original. J'en connais pas moi personnellement. Elle a 25. Ah bah je suis plus âgée qu'elle. Je te l'envoie sur ton email pro. Ouais tu peux l'envoyer sur l'email pro. Tu mets juste en objet, tu précises bien que c'est toi, une petite bavarde CC Sims. Histoire que voilà je vois bien. C'est quoi Discord? Oui je sais, je suis en nouveauté. Bah t'inquiète pas Florasma. Y'a pas de soucis, si Lalo, tu peux remettre le lien Discord dans le chat, ce serait cool, merci.
Pourquoi tu le feras en vidéo? Oui, mademoiselle. Enfin, sauf si tu ne le souhaites pas. Voilà. Trop belle ta Sims, merci Loan. Alors, on a presque fini la comédie. Bah alors, tu l'as fini ce truc de comédie là? Ok, c'est bon, on va pouvoir. En plus, maintenant elle est joueuse, donc si on n'a plus qu'à trouver quelqu'un ou inviter quelqu'un. Bah tiens, vu qu'on a foutu un vent à notre copine, à notre cups Vanessa, on va l'inviter à venir sur le terrain actuel. Et elle va arriver. Salut Super Cups, comment vas-tu? Oui. Ah voilà, faire les yeux ronds. Pas amour, je me suis trompée avec drôle. Parce que j'ai vu du rose. Et c'est pas joueur. On va plus offrir de cadeaux amusants. Hein, parce que ça la. Bon, au moins elle rigole. Au moins. C'est ça. Ici ça augmente. C'est bien. Ah, elle est très joueuse. Faut pas abuser parce que je veux pas qu'elle meure en étant trop joueuse. N'oublions pas qu'elle a quand même une fois, enfin que ma Sims est morte une fois juste en étant, c'était quoi? Elle était trop. Elle est morte de rire, ouais. Ma Sims était morte de rire dans la maison des abonnés. Alors, il y en a à combien d'étoiles? Voilà. Voilà, combien elle a d'étoiles, j'ai honte. Mais bon, on est seulement au deuxième épisode d'Ariana pour lui laisser le temps d'évoluer. Hein. En plus, c'est pas si simple que ça hein, d'augmenter la notoriété, j'ai l'impression. À moins qu'on puisse spammer ajouter une story à Simstagram. Je sais pas si on spamme, ça va nous aider ou pas. Euh, 12 abonnés en plus. Est-ce que si je remets une story à Simstagram? Ouais, on a récupéré encore 12 abonnés. Bah attendez, moi je continue, hein. Et niveau notoriété, on est très très loin encore. On gagne vraiment pas de notoriété. C'est chaud quand même. C'est chaud. C'est vrai que c'est chaud à monter la notoriété, hein. Est-ce qu'il y a un autre truc qu'on peut faire pour la notoriété? D'ailleurs, si vous avez des astuces pour la notoriété qu'on peut faire pendant notre temps libre, n'hésitez pas. Peut-être qu'avec un PC, ce serait mieux. Mais on n'a pas de PC. On investira dans un petit PC pour commencer. Je crois qu'il faut aussi devenir ami avec des stars, mais ce serait bien d'avoir d'être un minimum de stars pour pouvoir les approcher, je pense aussi. Tim Citron. Je sais pas trop. Je pensais que ça serait plus simple. Prendre un collectionneur d'Imblouse. Non, je vais garder l'autographe, ça se fait pas de le vendre hein, quand même. Hein. Ah, bonne douche, ah bah bonne douche, Johanna. Il n'a pas fait gaffe, c'est Nicolas, Stéphane, c'est juste que j'ai changé de pseudo. Bon, ça va, t'as gardé Nicolas devant, donc ça va. Donc ça va. Coucou, cri-cri. Plus que 25 et les 4K de citron. Oh, félicitations. La pote, c'est que IRL, les gens sont morts de joie, je m'y tope pas. Le pote, c'est que IRL. Non, c'est pas vrai. Pas des gens qui sont vraiment morts de rire. Hey, licorne. Ah. Bah, j'ai dit ça en avance, petite citronne. Je te l'envoie. Oui, t'inquiète pas. Ça va être toi, Demi-Lune. Comment je peux installer Sim sur PC? Bah, tu peux l'acheter sur Origin. Je sais pas si encore les promos du Black Friday, mais c'est vrai qu'il faudra en profiter pour ceux qui n'ont pas encore acheté les Sims 4. Ou même pour ceux qui n'ont pas encore Hors de Gloire, et je vous le conseille, et je ne sais pas s'il y a encore les promos. Hey Mumu, je t'envoie un message, ça marche. Si tu peux mourir de rire, lol. Oh mon dieu, ça doit être tellement affreux de mourir de rire. Oh merci Jess, Maria Patsosai. Ok, qu'est-ce qui se passe? Notre copine, elle est partie. Je pense qu'on va enlever les décorations parce qu'on est en printemps. Du coup, c'est fini. L'ambiance Noël, tout ça. Mais on leur sortira plus tard. Il n'y a pas de souci. Bah alors, tu viens. Ah non, c'est bon, elle les a enlevées.
de loin, mais à les enlever. C'est quoi le bruit? C'est un train qui est passé à côté ou... J'ai entendu un bruit de train, mais c'est pas grave. Voilà, je suis pas du tout chez moi, je suis chez les voisins. J'étais chez les voisins, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. On va peut-être bouger de la maison, hein. On est quoi? On est dimanche, on n'a rien à faire aujourd'hui. On va prendre une douche et on va bouger un petit peu, je pense. Ok, message automatique de l'agence. La Fradé en France, les promotions chez les vêtements, c'est de la merde. Lol. Ah bah oui. Mais en général, ils sont pas ouf, hein. Je suis allée regarder au niveau des promos, au niveau informatique. C'était pas ouf non plus, hein. Demande mon ami. Oh. Et on m'a posé des bagues. Ouais. Ça fait mal. Achète un PC pour la notoriété. Ouais, c'est ce qui me semble bien. Mais du coup, ce serait bien que j'ai même pas assez d'argent. Je pense que vu qu'on a un taf pour lundi, donc le lendemain dans les Sims, après on aura assez d'argent pour acheter un PC et commencer un petit peu à travailler sur la notoriété. Mais en attendant, je pense qu'on va essayer de sortir. On va peut-être sortir quelque part. Je vais appeler une amie et on va se balader. Se déplacer. Ouais, aller avec Vanessa. On va aller dans un bar ou quelque part. Je pense qu'on va essayer de se rapprocher des célébrités. Alors ici, Starlight Boulevard. Ok, donc ce serait bien qu'on aille au bar à cocktail ici ou à l'autre bar à cocktail. Celui-là, il m'a l'air un peu plus sympathique. On va aller à celui-ci. Achète un truc pour les youtubeurs là. Ouais, mais elle, ce sera pas une youtubeuse en fait. Ce sera Arlilili, la youtubeuse beauté bonjour. Il m'a répondu, je suis trop contente, je t'adore. Mais j'essaye de répondre à tout le monde, Rinzel. J'essaye. C'est bon, je te l'ai envoyé. Nice. Ok, merci, j'irai voir ça tout à l'heure. Coucou, Okakola, comment vas-tu? Après, sur cette chaîne-là, c'est un peu plus calme. Donc, je peux répondre encore plus que sur l'autre chaîne. Sans petite avec Mimi Citron, quand je vois 4, 5... Ah bah oui. En vrai, c'est des gens qui sont souvent là aussi. C'est débité dans les Sims 4. Oui, franchement, sur Emmy, le jeu n'est pas difficile à comprendre. Hein. Vraiment. Et en plus, tu peux activer des astuces, les aides et plein d'autres choses. Est-ce que c'est parce que je suis vachement tôt qu'il n'y a encore personne? J'ai cru que c'était un monsieur parce que vu de côté, j'ai cru que son micro c'était une barbe. Alors que pas du tout. Alors, je suis à la recherche de célébrité, s'il vous plaît. En parlant de ça, elle est quoi, vedette débutante? Est-ce qu'on peut gratter de la notoriété chez elle? Non, on peut pas. On ne peut pas gratter la notoriété. Bon, je vais essayer. J'ai la liste de plein de codes utiles. Oui, alors les codes, ouais, ça sauve la vie. Il y a plein de codes super importants. Bah, je pensais aussi faire une vidéo des codes que j'utilise le plus dans les Sims. Bah écoute, on va prendre un petit verre, commander une boisson. Ah, oh, commander des boissons pour le groupe. Allez, ça augmentera la notoriété. Et on va prendre quelque chose de pas cher, parce que je me suis enflammée, les gars, je suis partie là, mais... 16 Simflouz. Allez, boisson pour animaux fraîcheur mentholée, 16 Simflouz. Je me suis enflammée, là, mais... Attends, et pas paradis. Qui est célèbre? Lui, il est célèbre. Ouf, bonjour. Torn Bailey. C'est Torn, oh my god. Oh mon dieu, elle est vraiment tombée. Oh, oh my god. Oh my god. Allez, on commande la boisson. On va voir un petit peu ce que ça donne en termes de notoriété. Allez. On va lui demander un autographe. Y a rien pour la notoriété avec les autres stars. Oh my god. Mais toi aussi tu vas pas t'y mettre, Ariana. Tu vas pas t'y mettre. On va lui demander de prendre une photo. Demander un selfie. On va devenir amis avec le monsieur. Est-ce qu'on peut devenir amis avec eux? Kif Quinzel. Oh. La fan est évanouie. Ouais, carrément. Je m'attendais pas à ça. Il y a un gros trou dans la dent. Ah, mince. Tu préfères Noël ou Sims? Noël quand même. Hein. Ambiance famille, tout ça, la bouffe, hein, surtout la bouffe en fait. Coucou Ilonia!
tenter de se présenter. On tente. En fait, il pose devant les gens et moi je viens en mode devant. Est-ce qu'on va se manger un vent ou pas? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Demander une accolade. Oh, il y a tout le monde qui lui parle, mais laissez-moi lui parler! Oh! Oh mon dieu! On a fait un câlin, une superstar mondiale! Bon, est-ce que ça active d'autres choses? On va tenter de se présenter quand même. On doit tellement le saouler, le mec! Oh non, elle s'est encore évanouie, Morgane! Oh mon dieu! Est-ce que ça va, Morgane? Y'a pas d'option pour l'aider? Ah. Bon, elle est très fatiguée. Ah non. Moi aussi, elle est quand même fatiguée. Du coup, on va rentrer avec notre Ariana. Oh mon dieu. Il faut que je trouve le lien à ces deux robes. Plus je voudrais super jouer, donc je souhaitais vraiment te les partager. Ça marche. Je dois prendre ma douche à toute. Ça marche, Elsa. Bah, de toute façon, moi, je pense qu'on va rentrer et qu'on va quand même s'arrêter là. Pour la rediff. Parce que ça fait super plaisir quand même d'avoir joué avec Ariana. Mais je veux pas non plus faire des lives super trop longs pour que les gens puissent quand même regarder les rediffs et pas que ce soit non plus trop long. Je préfère pizza ou McDo. McDo, hein, largement McDo. Hein. Faire un mode pour être une actrice X. Oh mon dieu. Mais je crois qu'après tu peux faire des films à la maison et tout. Et genre avec le mode ouf je sais pas quoi. Tu peux hein, si t'as vraiment envie de pousser le délire jusque là. Bah écoutez, on va la faire aller aux toilettes, on va la faire aller dodo. Malheureusement, on n'aura pas pu faire le job aujourd'hui dans cette vidéo. On n'aura pas pu, mais vous inquiétez pas, on reprendra très vite le let's play avec Ariana parce que j'ai vraiment envie qu'Ariana devienne une superstar mondiale. Le jeu sera encore plus intéressant quand elle sera un peu plus connue, qu'on pourra un petit peu développer, que ce soit au niveau famille, etc. etc. Pokémon, yes, mais d'abord je vais faire ma petite pause miam, manger tranquillement. Et puis ce soir, on viendra pour un petit Pokémon. Je pense pas trop long, histoire de que je puisse me lever demain. Hein. Hello Sarah, comment vas-tu? Bah désolé, tu viens d'arriver, mais c'est la fin du live. Je viens d'arriver, coucou 15, bah, coucou Elodie, désolé, bah, vous venez à la fin du live. Ma star préférée. Ah bah c'est cool, puisqu'il y aura pas mal de let's play avec notre très chère Ariana. Journée de réduction, attendez, réduction sur les achats, tous les achats d'objets en mode construction bénéficient de 10% de réduction aujourd'hui seulement. Achetez un objet valant au moins 500 simfos pour effectuer cette tradition. La réduction arrivera dans les fonds du foyer plus tard dans la semaine, mais on n'a même pas assez d'argent. Mais c'est pas grave, on a l'audition aujourd'hui, on finit l'audition, on gagne assez d'argent, on aura plus de 500 simfos, on pourra acheter l'ordinateur et récupérer ensuite 10% sur la valeur de l'ordinateur. Donc on fera ça du coup au prochain épisode, j'espère que j'aurai pas oublié d'ici le prochain épisode et que je me rappellerai quand je relancerai le petit display. Moi c'est un préféré, c'est Clairzel, oh c'est mignon. Merci le petit ananas. Je vais avoir les 4 cassettes. Mais t'inquiète pas, tout à l'heure on reprend le live mais avec Pokémon Let's Go Evoli. Est-ce que je pourrais voir pour la maison des abos? Je pourrais voir. Oui je regarderai les mots, t'inquiète pas, je regarderai. Bah écoutez, moi je vais couper là le live. Merci d'avoir regardé. Je sais pas si nous avons une petite. Est-ce que par exemple Bion est en live ou pas? Je ne sais pas si on pourrait lui faire un petit coucou. Sur cette chaîne là. Est-ce que j'étais. Oui, j'étais déjà abonné à Bion, donc je la vois pas en live, donc tant pis. Mais bah écoutez, moi je vais couper là. Je vous dis à ce soir pour les personnes qui reviennent pour le live de Pokémon Let's Go Evoli. Mais vers quelle heure? Le temps de manger, je pense vers 20h30, 21h, hein, Pokémon. Et bah pour les autres qui ne seront pas là ce soir, je vous souhaite déjà une bonne soirée, une bonne nuit, etc. etc. Certainement à demain. Gros bisous à vous. Et ciao ciao. Gros bisous.